Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour à tous, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 11 mars 2020. Comme vous avez vu, les marchés sont en faible baisse, en grosse faiblesse. 1135 points présentement sur le Dow Jones. On fait des nouveaux... On est sur le bord d'un nouveau bas ici encore une fois. Donc, c'est ce qui a fait que TVIX est décollé en hausse. Avec la dernière baisse qu'on a eue là, vraiment sur le marché. Si je vous montre ça ici dans un graphique en 5 minutes, ça vient même inverser la petite dernière tendance qu'on a eue. Là. Donc, de toute évidence, on a des bonnes chances de se rendre jusqu'au bas. Il y a Donald Trump qui va faire un meeting d'urgence tantôt avec son groupe de la santé. Il finit un meeting où il est là à 11h45, donc ça va être après, peut-être à midi, peut-être à 1h. On n'a pas de précision là-dessus. Donc, pour lutter contre le coronavirus, l'Italie augmente ses dépenses à 28 milliards de dollars et ajoute de nouvelles restrictions. L'Angleterre, elle, va injecter 39 milliards pour combattre le coronavirus. Et puis, il y a aussi une université à New York qui dit que les hôpitaux aux États-Unis ne sont pas préparés pour la crise. J'ai aussi, apparemment, Boeing, il y aurait plus de cancellations que de ventes de nouveaux avions. Air Canada, on aurait cancellé 11. Donc, il y a plus de cancellations de 737 MAX encore. Puis dans la nouvelle aujourd'hui que j'ai, bon, c'est Pepsi là, qui est en train d'acheter toutes les boissons sucrées qui ont acheté Rockstar Energy pour 3,8 milliards de dollars. Puis il y a la Banque d'Angleterre qui abaisse son taux d'urgence d'intérêt à 50 points. De 50 points. Donc, les marchés, c'est clair. Hein? C'est vraiment à la baisse encore aujourd'hui. Et puis, on est quand même... si vous regardez le graphique, les graphiques quotidiens, là, c'est quand même pas nouveau. OK, on avait connu une phase similaire il n'y a pas longtemps. Là. Oups, j'ai perdu mon logiciel, je reviens. Ce sera pas long. OK, un petit problème. Bon, comme ça. OK, ce que je disais...
c'est qu'on avait connu la même phase ici, là, avec des points d'à peu près, des journées d'à peu près 1000 points. Après, bien, la dernière fois, ça a été 1, 2, 3 en baisse. T'sais, on avait connu ça ici, là, 3 baisses. Après, on avait commencé le mouvement neutre à partir d'ici, puis aller jusque-là. Après, on a encore eu 3 baisses. Puis là, bien, on est encore dans un autre mouvement neutre à l'intérieur de cette formation-là, qui, Nasdaq, est moins bas que les autres. Mais regardez, le Dow, il arrive à son plus bas. Là, on n'est pas bien, bien loin. Le SPY aussi. Puis le TSX, lui, est sur un nouveau bas. Donc, la situation n'est pas safe. On ne sait jamais. Ça peut rebondir encore aussi demain. Très, très, très difficile de prendre position pour 2-3 jours en swing trading. Le day trading est super intéressant. C'était très intéressant encore ce matin. Il y a eu beaucoup de stocks qui se sont envolés, surtout parmi les infectieuses que je vais vous les montrer ici. Vous voyez, il y en a pas mal, il y en a plusieurs, là. Il y a APHI qui a monté, il y a APT qui a monté 9 à 12 piastres, Nanovaricide 7 à 8,5. INO, il a décollé à l'ouverture, il était déjà en hausse, mais il a fait un bon cycle, deux bons cycles. Ça a été vraiment, le tout dernier, ça a été LLIT qui est venu nous faire 3 cycles à la hausse. Il y a CODX qui a très bien fait aussi ce matin, qui là, il est pas mal stabilisé de ce côté-là. Ça s'est tout passé entre 9h15 et 10h30 là, environ. Il y a eu aussi mRNA dans son inversement, ici, qui a très bien fait. 23,75$, le titre est allé jusqu'à 25,75$. Et puis là, ben, s'il retombe à 24$, ça sera terminé. Mais il y a encore du potentiel peut-être pour le reste de la journée. Les marchés sont... Les stocks de maladies infectieuses là, qui ont repris du poil de la bête. Le pétrole était encore en baisse ce matin et les titres, eux autres, ont foncé à la baisse plus que le pétrole. L'or a décollé en hausse, n'a jamais continué, puis est revenu à la baisse. Les titres, eux autres, n'ont jamais été en hausse, sont toujours restés à la baisse, à côté sur le bas des derniers jours. Donc, pas trop stable l'or de ce temps-ci. Je n'ai pas vraiment confiance dans les titres orifères. Et puis, du côté du cannabis, ce matin, c'est encore à la baisse. Il y a eu un petit mouvement à la hausse de Cronos qui s'est tout dégonflé. Mais la situation est encore pas très belle là. Vous voyez, on menace des supports très importants. Weed, qui est maintenant à 19$, qui pourrait bien rechuter jusqu'à son 18$ encore. Donc, on continue à se tenir encore loin du cannabis. Donc, la tendance de l'avant-midi est toujours au point inversé. On fait des petits rebonds, mais il n'y en a pas un qui donne suite, comme vous pouvez voir. Et puis, si on revient encore à la baisse ici, il va même avoir accélération de la tendance, là. Donc, c'est sûr que Donald Trump va essayer de calmer le jeu encore, mais va-t-il réussir? Tiens, j'en ai un autre que je surveille depuis un petit bout de temps, c'est ALT qui pourrait bien nous faire un nouveau haut ici, ALT sur Nasdaq. OK. Bon, on va faire juste ce que je vous disais encore tantôt. Là. Bon, tout le marché, il s'en vient sur le bas de sa formation neutre, mais c'est pareil aussi pour tous les secteurs. Donc, le pétrole est en baisse, le gaz est en hausse, mais il va s'arrêter là. Et puis, donc, les titres d'énergie, eux autres, le secteur est en élan baissier, là, c'est peu dire, là, ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'embarque pas là-dedans. L'or est en train de se dégonfler, puis regardez, les titres orifères sont à la baisse. Les mines, c'est une reprise à la baisse. La consommation discrétionnaire a repris sa tendance baissière. Les télécoms vont vers leur support. Les services financiers sont bien à côté en bas, au Canada et aux États-Unis. Là. La Banque nationale toffe au-dessus de son support, mais les autres, là, regarde, ça reprend tout à la baisse. Là. C'est un nouveau bas pour la Banque royale, Banque de Montréal, Banque de commerce, c'est pas loin. Intact fait un nouveau bas. La TD est à côté en bas. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, il y a juste des vendeurs. Le secteur industriel s'en retourne vers son support. Les real estate ont traversé leur support. Les services aux collectivités n'ont pas tenu le coup. Ils ont traversé aussi, malgré la belle hausse, le beau rebond qu'il y avait eu. Vous voyez, ça a vraiment rechuté. La consommation de base est à côté sur son support, puis la santé aussi.
Donc là, ce qu'on surveille, c'est dans un nouveau décrochage, dans un nouveau cycle baissier, peut-être avant la fin de la semaine, possiblement qu'on pourrait ouvrir des positions short ou acheter des FNB baissiers. Mais pour l'instant, acheter des titres à la hausse, autre qu'en day trading, les stocks que je vous montrais tantôt, là, que maintenant on sort de plus en plus rapidement sur Guru.tv le matin, c'est à peu près rien que ça qu'il y a à faire pendant... Que le marché fait ses folies, tant que la situation sera pas plus claire. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand potentiel à la hausse, puis on ne sait pas encore si on va décrocher ou pas dans des nouveaux bas là, pour ce qui est des secteurs. Fait qu'il faut rester prudent dans nos achats. Pour le day trading, ben ça va bien parce que quand le marché est très, très, très volatile, c'est beaucoup plus facile à trader les stocks en day trading. J'y vais avec une première question ici de HXD, HA555. Il vaut 5,90. Si le marché décroche, bien, il va aller encore plus loin que ça, c'est clair. Donc, 5,55, vous avez déjà pris un profit à 5,85. Bon, ça, c'est le sommet. Si le marché ne fait pas des nouveaux bas, bien, le HXD ne fera pas des nouveaux hauts. HXD qui fonctionne avec le TX60, OK? Donc, si on regarde ça, le TX60 va donner la même chose, mais le TX60, il va être placé ici. D'ailleurs, on va y aller immédiatement. Le TX60, tiens, il est là. Donc, ouais, c'est la situation, c'est comme... C'est si le marché décroche en dessous ici, vous allez continuer à faire de l'argent, votre TVX, pas TVX, votre HXD. Mais c'est encore bien bon, vous êtes protégé, vous avez acheté à 5,55, vendu à 5,85, donc il vous coûte 5,25. OK? Donc, 5,25 qui est ici, OK? Parce que vous avez vendu la moitié de votre position. Donc là, vous auriez comme deux choix, là. Regarde, je vais vous mettre ça en 5 minutes, ça va être un petit peu plus clair. Donc, vous pourriez avoir un stop à 5,70 ou carrément en dessous de la formation à 5,45. Votre prix de revient étant maintenant 5,25. Okay? Ça fait que je pense que 5,70, ce serait conserver plus de profit à court terme, comme stop loss. CODX acheté 10,56. Il est là, il vaut 11$. Je ne vous parlez pas de profit. OK, je suis à vous, je prendrai un profit immédiatement parce que 10,56, c'est ici. Là. Ça ferait descendre votre prix de revient un peu plus. Là. Bon, je n'ai pas la cote là, je l'ai ici. Là. Il vaut 11,25 présentement. Là. Ben, vous faites 75 cents. Fait que ça ferait descendre votre prix de revient même encore un petit peu plus. Je vendrai la moitié tout de suite. Je mettrai un stop à 10,80. MRU, point d'entrée, ça, ça ne sera pas évident. MRU, parce que le secteur n'est pas en bonne situation. Bon, consommation de barre, vous voyez, le secteur qui menace de traverser son bas de l'année, OK? Et puis c'est ça, c'est son creux qui date de 2009, là. Ça date de juin 2009, là, OK? Ça fait que je pense pas que les stocks vont être bien, bien positifs. Regardez comment on est sur le bord de décrocher encore plus loin. Donc Couche-Tard est en baisse, Métro est en baisse. Gagné est en train même de retraverser son support ici. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là, sur Métro. Là. Laissez ça se passer avant d'acheter des stocks à la hausse là, en day trading. On est peut-être sur le bord d'une autre dérouillée. Le marché est encore aux alentours de 1000 points. On est à 1019 là, présentement. Les marchés vont baisser jusqu'où? J'ai des swings que je fais quoi avec eux? Ah ben, François, je ne sais pas. Ça dépend qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous avez fait. Quand est-ce que vous êtes rentré dedans? C'est trop général. Je ne peux pas vous dire rien. Si le marché vient qu'à décrocher en dessous, comme si c'était le marché de Toronto, dépendamment du secteur, le marché de Toronto est déjà en décrochage. Fait que, je peux pas arriver à répondre à une question comme ça puis dire « Vendez tout! » OK? C'est pas noir, c'est pas tout noir, tout blanc. Vous m'en dites pas assez. XSP, 34,50. XSP. Il vaut 30,50. OK. 34,50, c'était là. OK. Bon, vous avez acheté dans le rebond ici. Vous n'êtes pas sorti sur le revirement.
15 minutes. 34 à 34,50. Ouch! C'était là, OK? Puis regardez les signaux de vente. Il y en a eu un là, il y en a eu un là, il y en a eu un là. Puis là, bien, c'est sûr qu'on est rendu en bas. La perte va devenir bien plus grosse. Que un stop à 30$ serait pas mal logique. Parce que là, on serait complètement en dessous du support. Fait que je pense qu'un stop à 30$, ce serait la meilleure chose à faire. XIU, c'est la même chose. Vous voyez, XIU qui menace de traverser. Ça, c'est le TX, c'est la même chose que le TX60 et XIU. Point de sortie en dessous de ça, là, c'est 21,5$. GIB.A, prochain support. GIB.A, c'est-tu... c'est CGI, ça. Parce que Gildan était en élan baissier ce matin. Gildan, c'est GIL. Donc, à partir d'ici, son support, là, il est à 91. Donc, son support, présentement, il est à 91$. IAG, prochain support. IAG, prochain support. On est direct dessus. On est juste à côté là. OK? Donc, prochain support, ça, c'est le support actuel, qui est à 53 et des poussières, là, 52 et 50. Puis le prochain, bien, c'est direct en bas, là, c'est 49,25$. SNC, prochain support. C'est 26$. Hein, c'est bien ça. Oui, 26$. Double support ici à 26$. Même, on pourrait même dire plus que ça. Donc, il serait traversé à... C'est un peu plus haut que 26. Là, c'est 26 et 15, la traversée du support. WSC. Ça, il n'y aura rien d'intéressant là non plus. Le titre est en élan. Donc, c'est Wall... c'est ça, WFC. Pourquoi je titre plus que les autres USA? C'est comme c'est WFC... parce que lui, il est en élan. WFC américain. C'est Wells Fargo. Pourquoi chute-t-il plus que les autres? Non, il ne chute pas plus que les autres. Il y en a qui chutent moins, qu'on pourrait dire, OK? Parce que, regarde, des titres à côté, des banques à côté en bas comme ça, il y en a d'autres. L'indice lui-même est à côté en bas. Vous avez XLF qui est un indice aussi, OK? Mais là, regarde, Citigroup est pareil comme votre Wells Fargo. JP Morgan est un peu moins loin, Goldman Sachs aussi, mais Morgan Stanley est vraiment pas loin de la même place, Berkshire aussi, US Bank Corp est complètement à côté en bas, Wells Fargo, donc puis Bank of New York est encore plus basse, donc il est pas mal dans le même range que les autres banques. Là, ben, si ça décroche, on va avoir un autre cycle de ce grandeur-là. Dans le cas de... on va revenir sur... Wells Fargo, voyons ce qui est. Bon, ici, donc c'est ici que ça a été 40, 30, 33, OK, 7$. Ça veut dire que ça qui pourrait tomber assez loin, OK. Le premier cycle, 47, 42, 5$. Donc, ça va être au moins 27, 28$ la prochaine débarque. Pas une débarque de 28$, mais il pourrait aller jusqu'à 28$. Bon, ça c'est répondu. IFMK, bon call à 92 cents. C'est pas c'est dans celle-là que je l'ai mis. Je pensais que je l'avais. Non, je l'ai pas. OK, je vais aller la regarder autrement. Comme ça. Sur Nasdaq, hein? Bon. IFMK. Bon, call à 92. Regardons ça, voilà. Il n'y a pas d'hors séance là-dessus. Il ne se transige pas tout le temps. Bon, la résistance est pas mal ici. 92, ça m'apparaît un petit peu serré. Là, ce serait 94-95, je dirais plutôt, Stéphane. Je ne vais pas vous faire pogner sur une petite patte à la hausse, là. J'ai un commentaire ici qui dit « Honnêtement, je ne vois pas comment ça pourrait aller mieux dans le court moyen terme, car le pire reste à venir. Il n'y a pas de vaccin et les pays n'ont pas pris les choses au sérieux. »
Ben, moi, je suis d'accord avec vous, là. Ils réagissent trop en retard. Donald Trump avait l'air d'un idiot lui-même parce qu'il n'arrêtait pas au début de dire « Non, non, on n'a pas de cas, on est prêts, on a pris toutes les mesures, puis toute la patente. » Mais gars, il n'y avait même pas 100 cas il y a une semaine, il y en a 1000, là. Puis ils sont rendus à 28 morts. C'est 28 personnes décédées déjà aux États-Unis. Ça fait que moi, je suis bien plus inquiète par ce qu'on fait ici, là. OK? Quand vous pensez qu'hier, ils ont présenté le budget, là, puis il n'y avait pas une scène de budgété dans le coronavirus, là. Il y a juste une clinique qui va en ouvrir un autre, ça a l'air, là, mais que si tu penses que tu as le coronavirus, tu restes chez vous, tu appelles au téléphone, tu te fais diagnostiquer au téléphone, après ça, ils te donnent un rendez-vous, puis ils vont aller là. Écoute, entre-temps, tu vas en infecter combien? Combien? OK? Regarde, on ne prend même pas de mesures dans les aéroports. On a laissé rentrer les gens d'Iran, puis on leur a dit « Allez-vous-en chez vous », puis on leur fait confiance qu'ils ne sortiront pas de chez eux, là, la quarantaine volontaire. OK? Donc, on n'a rien budgété ici. Et au moins, Donald Trump, il fait des meetings à tous les jours avec toute son équipe en arrière, puis il donne le maximum d'informations. Nous autres, on a quoi? Que dalle. On a entendu, aujourd'hui, tu sais, Justin, aujourd'hui, qui a décidé là, de mettre 1 milliard en réserve sur le coronavirus. C'est à peu près temps, OK? Puis quand est-ce que M. Legault, lui, il va décider quelque chose, là? Quand est-ce qu'ils vont nous rassurer comme quoi que, regarde, il n'y a pas plein de monde dans la population qui se promène pas tester? Vous allez voir, moi, ce que je dis, c'est que là, ils n'ont pas pris de mesures. Il y en a bien des manières de rentrer le virus ici. La star, là, il est tout proche. Là. Il y en a dans l'État de New York. Là. Ça pourrait rentrer en auto. Ça pourrait rentrer sur des bateaux de transport. Ça pourrait arriver par des trains qui viennent de Vancouver. Ça pourrait arriver par avion. OK? Qu'est-ce qu'ils ont comme mesures pour tester les gens, ben, s'ils les mettent de côté? Vous savez, le virus, là, il y a 2 ou 3 personnes qui testaient les gens dans les aéroports. Qui, là, sont pris du virus. Donc, ces gens-là, ils étaient protégés, en plus, là, parce qu'ils passaient des tests à des gens infectés. Fait que ces gens-là étaient protégés, puis ils l'ont attrapé. Ça fait que, regarde, quand est-ce que le Québec va faire quelque chose, puis va un peu nous sécuriser? Tiens, là, je fais une petite pause, puis justement, j'ai un sondage pour vous, qu'on va parler de différentes affaires. Ça fait que pendant le commercial, je vous envoie le petit sondage que j'ai ici. Ah oui, pourquoi il n'apparaît pas? Bon, là, j'ai un petit problème. Ah. Bon. Ah, il ne m'apparaît pas ici. Bon. OK, ça sera peut-être dans le deuxième sondage. Je vais aller voir ce qui se passe. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Bon, je vais revenir au sondage après que les gens vont avoir fini de répondre. J'ai juste qu'il était là, mais c'est juste moi qui le vois pas dans ma tablette. OK, tiens, je vais baisser ça ici. Théa à Toronto, à Transalta. Théa. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai vu la même chose ce matin. Il se transige pas. Transalta.
Je ne sais pas ce qui arrive avec Théa. Ah, bon, tiens, il est correct, là. Ça fait deux, trois fois que je vois ça, que ça arrivait ce matin. Ben oui, la cote tantôt était là. Là, il est rendu ici. Bon, puis là, il s'est transjugé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Théa est positif, rare titre positif, serait intéressant. Mais là, il n'est pas positif, il est négatif. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec cette cote-là une fois de temps en temps. C'est pas. C'est, si vous avez vu la cote ici, là, elle n'est pas vraie. Elle était là depuis, ce matin, Louise. Bonjour, je transite seulement sur Toronto. Y a-t-il des compagnies médicales de virus avec des possibilités d'achat à Toronto? Sous toute réserve, il y a Trill, mais je suis pas sûr qu'ils sont dans les maladies infectieuses. Là. C'est une biotech, là, T-R-I-L, puis qui a quand même très bien performé, Trillium, là, aussi, dernièrement. Mais c'est une technologie de soins de santé. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait, mais j'en connais pas vraiment bien d'autres. Il y en a une sur le marché de croissance. Pas là-dedans, mais là-dedans. Où est-ce qu'elle est? C'est IPA. Elle faisait pas grand-chose l'autre jour. Elle fait toujours pas grand-chose non plus. On a celle-là. Donc, c'est tout ce qu'il y a là, pour l'instant dans ceux que moi je connais, en tout cas. RNW payé 17,40. RNW. TransAlta Renewable. Bon, 17,40. Fait que dans quelque part, c'est le signal de vente ici que vous n'avez pas considéré. Mais là, il est rendu en bas, mais il continue encore à descendre. Regarde, c'est une pente raide. Là. Je ne sais pas quoi vous dire. Il va faire comme le marché fait. Tout le secteur est en train de faire ça dans les services aux collectivités. Tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans le rebond, j'avais dit aux gens, non, on n'embarque pas dans ces rebonds-là, c'est bien trop risqué, pas avec ce qui venait d'arriver, une grosse baisse de même, mais on a un bon rebond, puis une journée ou deux après, le monde dit, bon, oui, mais ça monte pareil, oui, mais regarde, si tu ne te dépêches pas à vendre, l'autre journée, paf, OK, puis là, le mal est fait. Ça fait que, regarde, c'est l'histoire de tous les stocks de services aux collectivités. Là. Ils ont tous planté la même chose. Puis regarde comment ça plante dans le moment. Ils sont tous sur des nouveaux bas. Là. Regarde encore aujourd'hui, Canadienne Utilité. Ça fait que c'est difficile quand on n'a pas fait les choses à temps. Okay? Après, c'est où? Bien là, s'il y a un rebond dans les prochains jours, puis je vous dis de vendre, vous allez maillir, mais c'est pas là le point de vente. Là. C'était là, à la rigueur ici, mais rendu ici. Rendu ici, ben, je n'avais pas le choix de peut-être de patienter un peu, là, mais ça peut encore continuer à descendre, vraiment. Je regarde les fonds Horizon, HNU, HFU. Oh, HNU, c'est le gaz, OK? Qui fait comme UNG. Puis là, il arrive à sa résistance, OK? Donc, votre HNU, il n'y a plus beaucoup de potentiel, là. C'est sûr qu'il va s'arrêter là, là, OK? Il y a 8 à 9 chances sur 10 de s'arrêter à cet endroit-là. Je ne sais pas si je peux me rendre avec un... pour voir tout le mouvement avec un 30 minutes, là. Oui, c'est ça. Donc, on le voit ici. Regarde, il reste 15 cents de potentiel là-dessus. Fait qu'achetez pas ça. Attendez qu'il stabilise à 5 et 10 à chaque fois qu'il est remonté. Regarde, il a toujours redescendu le gaz. Puis là, bien, ce serait l'inversement de sa tendance. Mais là, il faut qu'il se stabilise en dessous de 5 et 10. Puis après, il faut qu'il redécolle, disons, 5,20, 5,25. Fait que, parce qu'une fois stabilisé ici, lorsqu'il décollera là, bien là, au moins, il y aura l'inversement de la tendance, chose qui n'est pas encore le cas. OK? Il y a nos points d'entrée 7,60. Bon, INO, ici. Oui, ça devrait ressembler à ça, hein? 7,60, c'est pas 7,60, parce que, regardez, là, on a un graphique en minutes, je vais me le mettre en 30 secondes, là, on va le voir encore plus, là. Donc, ça, c'était sa tendance, là, maintenant, il y a sa résistance, c'est 7,80, le point d'entrée. Acheter ATD.B 41,20 ce matin. Ouh! ATD.B. OK, 41. OK. C'était pas la meilleure des achats, ça, Dave. 41,20 ce matin semble
semble positif. Non, il ne semble pas positif. Là. Il est négatif, ATD.B. Là. Il garde, même qu'il vient de, il est en train de rebriser son support encore. Il s'en retourne à 39,5. Il n'a jamais inversé sa tendance. Il y a beaucoup de volatilité dedans. Hein. Il y a tout le temps qu'il était ici. Moi, je dis au monde de ne pas l'acheter parce qu'il n'y avait pas de potentiel. Okay? Ça valait pas le jeu n'en valait pas la chandelle, que je disais. Bon, ça a bien planté. Il y a eu un gros rebond. Ça a encore planté. Là, il est neutre. Il est dans une zone où, c'était pas d'identifier un bon point technique pour l'achat. Puis en plus que le marché il est vraiment négatif. On est encore à 100, à 1030 points. Denis, ATE sur V. Là, je ne sais pas quoi vous dire, hein, mais il est à la baisse. On n'aurait pas dû acheter ça, premièrement. Et puis, deuxièmement, on va regarder dans son graphique de la journée. Là. Puis quand vous l'avez acheté... c'était comme 41 et quelque chose. Là. Regardez, il y a eu un signal de vente ici à 41 et 40. Il y a eu un signal de vente là, 41 et 20. Il y en a un autre signal ici à 40 et 91. Encore un autre là à 40 et 85. Puis encore un autre là à 40 et 67. Puis il n'y a eu que des signaux de vente sur ça ce matin. Est-ce trop tard pour vendre des découvertes Boeing? On va aller voir ça. BA. Bon, c'est sûr qu'il est loin un peu pour le vendre à découvert. Ça fait toute une ride qui prend par en bas. Normalement, on agit au début des cycles, OK? Donc, au début de cette baisse-là, ça aurait été intéressant, là, à partir de parce qu'il était comme, comme 300 pièces, 297, là, son sommet ici, là. Bon, et puis, mettons que c'est celui-là qu'on voit, là. Fait que là, c'est rendu pas mal loin. Les chances qu'il remonte bien fort sont pas bien bonnes parce que ça va bien mal pour Boeing dans le moment. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont plus de cancellations d'avions qu'ils ont de ventes, qu'ils rentrent de ventes. Et les navires de croisière. Oh, regarde, un navire de croisière, là, j'ai toute une liste là-dessus. Vous retrouvez ça dans Market Vision Plus, dans les sous-listes. Là, vous les avez pas? Ah, non, vous ne les avez pas. Bien, moi, je l'ai en tout cas ici. Puis c'est là l'avantage de se faire des listes. Donc, là, j'ai ici toutes les récréationnelles. Regarde, les Carnival, les Royal Caribbean, SeaWorld, Six Flags, Live Nation. Puis il y en a plein. Après ça, plus loin, j'ai des resorts, tous les resorts de Las Vegas. Après ça, j'ai tous les Travel, Expedia, Avis, puis Hertz, puis tout ça. Là. Donc, ça en fait bien du monde là-dedans. Puis regardez, le secteur, il fait comme le marché. Donc, sur le bord de faire un nouveau bas. Un cycle comme ça. Si on décroche de là, on s'en va sur un autre de même. OK? Donc, ça peut être des chutes quand même importantes. Regarde, ça a été 10 piastres ici. Ça a été 10 piastres ici sur Carnival. Fait que si on décroche en bas de ça, c'est un autre 10 piastres là, qu'il va faire. Fait que ça pourrait être des stocks intéressants à shorter quand il va quand ils vont décrocher. Pour l'instant, là, regarde, un des plus faibles, c'est SeaWorld Entertainment. Puis Six Flags aussi. Vous voyez, regardez, c'est une formation très belle. Là. Donc, le prochain jump par en bas, ces shorts-là, on peut shorter ça. Et puis, regarde, sont du premier au dernier. Là, ça va être long de les montrer un par un. Mais regarde, je vous les montre, même si je les montre vite. Hein, regarde, ceux-là font des nouveaux bas. Expedia fait un nouveau bas. Avis. Expedia, c'est un des plus beaux présentement à shorter. Liberty TripAdvisor, il y a déjà un petit bout de fait. Ça fait qu'il y a du potentiel là-dedans à la baisse encore à mesure que les supports sont brisés. 5000 trills, 6,98 au Canada. T-R-I-L. À 6,98, mettons 7 piastres. Vous en avez vendu 5000, vous en avez vendu 3000 à 10,60. Oh, ça a été bien fait. Puis il en reste 2000. Bon, ben regarde, vous avez payé 7, vous avez vendu à 10,60, 3,60 piastres, vous faites du 36% là, à peu près, même plus. Là. Vous avez payé 6,98, vendu 10, là, 7 à 10, 7 à 10 piastres, c'est 3 piastres sur 7 piastres. Là, vous êtes dans le 40%. Donc, comme vous avez payé 7 piastres, puis le support est à 7 piastres, bon, je mettrai le prix de sortie à 6,80. Puis, je dormirai dessus. Inno 8 et 12.
Bon, là, attention, là, si là, il y a un signal de vente à 7,35. Parce que 8 et 12, là, c'était bien avant ça, ici, quelque part. Là. Je ne sais pas si c'est en montant là que vous l'avez acheté. Il est allé à 8 et 40 après, c'est tout ce qu'il a fait de bon. Après, ben, ça a été un signal de vente, un autre signal de vente, un autre signal de vente. Puis là, ben, là il est dans une phase neutre, il n'y a plus rien à faire avec. Mais en dessous de ce support-là, c'est encore un point de vente. Là, vous n'avez pas pris de profit, c'est sûr, parce que là, ben, en tout cas, normalement, vous ne pouvez pas, mais il vaut moins cher que vous l'avez payé. BKY. BKY. Bon, c'est un beau petit mouvement, ça, cette affaire-là. On va mettre ça en minute. Bon, oh, Titi, ils l'ont halté un paquet de fois ce matin. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Il a été arrêté huit fois. Pourquoi? Parce que hier, il valait 50 cents. Fait qu'à 150%, là, c'est sûr qu'il va se faire arrêter. Puis après ça, à chaque fois qu'il montait, arrêté. Mais il a l'air d'avoir le vent dans les voiles, ça, c'est sûr. Pour l'instant, vous voyez, c'est pas trop grave parce que quand il rouvre, là, c'est jamais une catastrophe là, pour ce qui est de ce stock-là. Mais le point d'entrée, là, maintenant, rendu là, ce serait comme 2,27, 2,30. OK? Il y a quand même, comme il est très volatile, il y a quand même un gros pourcentage de risque. Parce que, mettons que ça pourrait être 2,25, là. Ouais, ça pourrait être 2,25, 2,28, mais il aurait pour être sorti à 1,90 au cas où. Bon, Jacques, c'est vous qui avez un problème. OK. BCE a analysé le titre pour un achat potentiel. Oh boy! Non. BCE. Regardez, là, c'est comme... C'est kamikaze, c'est téméraire, c'est risqué, même si ça s'appelle Bell. OK? Parce que, regarde, là, ça, c'est un support de longtemps. OK? Un, le marché est négatif. Deux, le risque est bien grand. Trois, il est déjà en dessous de son support. Puis toute rechute, là, va être de la perte. C'est vraiment pas le temps d'embarquer dans du Bell. Puis on ne saurait pas non plus trop où embarquer parce que, regarde, il y a bien trop de volatilité là-dedans. Les risques overnight là-dedans sont quand même bien grands. Même si c'est Bell, là, vous pouvez vous réveiller un matin avec 10 % en baisse, là. CAE, prochain support. Je ne suis pas arrivé à la bonne place. Un petit instant. Bon, CAE. Il est juste là. Il ne faut pas tenir compte de cette baisse-là. Il faut tenir compte des deux derniers jours. OK? Donc, il est ici, le support. Il est à ce prix-là. À 30$, CAE, il traverse son support. À quand l'achat de BCE, demande Diane? Ah, là, je viens juste de l'expliquer. C'est ça. Pas aujourd'hui, en tout cas. Suite à ma question, le marché, j'ai 45 titres canadiens et 30 titres US. Dois-tu liquider? Ouch! C'est un drôle de moment, ça, François, pour me poser cette question-là. Vous avez 70 titres achetés. Vous devez mal dormir. Vous me demandez ça, là, après que le marché a tombé de 5000 points. OK? Regardez, là, dans notre portefeuille, on a un stock. On en avait ben plus, on avait douzaines, mais on n'a rien qu'un. On n'a rien racheté depuis la débâcle, puis les seuls qu'on a gardés, c'était nos stocks qu'on a vendus à découvert. Puis ça, on a vendu ça à découvert à 10,21, et vaut 6$, Charlotte. Puis là, bien, c'est une raison pour laquelle on n'a pas acheté. Parce que si j'avais acheté des stocks pendant cette débâcle-là, là, on aurait l'air des imbéciles avec en coachant le monde, en leur disant avec nous, vous allez minimiser votre risque parce qu'on va vous montrer quoi faire. Bien, je pense qu'on a agi en bon père de famille en faisant ça. Là. OK, on a juste shorté quelques stocks en descendant. C'est tout ce qu'on a fait. Puis je refuse de m'embarquer dans une affaire-là. T'sais, pour moi, la bourse, c'est pas un 25 cents en l'air. Là. C'est pas tête to bitch. Là, parce que ça ne marche pas. Puis je sais vraiment pas à quoi vous répondre, François. Je dis juste que le problème, c'est que là, vous allez essuyer une méchante grosse perte si vous vendez. Puis c'est correct, pareil, de vendre, parce que si le marché vraiment redécroche, là, s'il décroche, il décroche, là, OK? Si on part encore à la baisse. Mais
Mais il pourrait avoir un bon rebond aussi, puis là, ben, vous ne seriez plus dedans. Moi, j'aurais un conseil à donner, c'est de probablement diminuer des positions, tout vendre. Je trouve ça un peu dramatique, là. Puis c'est sûr que c'était avant, là. T'sais, c'est sûr que la première drop qu'on a eue, là, ben, avec un portefeuille comme ça de 45 à de 75 titres, là, à la première drop, déjà, c'était un montant considérable. Ça fait que ça, habituellement, là, ça gèle le monde. Okay? Là, ils sont là, les gens ne savent plus quoi faire. Là, ils disent, bon, je vais attendre. OK? Bien, même aussi que ça m'étonne que vous ayez autant de titres après qu'on a eu un marché super plafonnant. Réduisez, OK? Je vous dirais réduisez, OK, un peu des positions. Puis je comprends, là, ouais, c'est bien, ce serait bien difficile d'analyser vos positions. On en avait 75. SIS. C'est sûr que vous n'êtes pas dans une position attrayante. Bon, regarde, le pétrole va mal, les pétrolières vont mal, puis SCS, ils se sont support de l'année. C'est une grosse zone de support. Ils vont encore 11$, mais regarde, s'ils décrochent en bas de ça, bien, la prochaine shot, regarde, ici, c'était 14 à 11, c'est 3$. Ça veut dire que s'ils décrochent de là, ils s'en vont à son prochain support qui est là de 7,5$. Donc, il est là, son support. En tout cas, achetez pas ça, Pierre. Salut, Michel. APT, point d'entrée par après. Est-ce que ce sera possible de faire un swing? Bon, ça, c'est la chose la plus tough dans le moment, là, l'histoire des swings, de swing trading, parce que le marché, il vire de bord comme un 10 cents. Bon, APT, là, il a, premièrement, il a fini pour sa journée, OK? Donc, il a produit, à part son décollage de ce matin, il a produit un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles. OK? Là, c'est fini. Il s'en va de côté. Ici, il traverse là. C'est changer de côté. Vous êtes trompé, là. Vous savez, comme la chanson. Fait qu'à 10,90, c'est un point de sortie. Là, si on regarde dans le graphique quotidien pour APT. Ah, oh, j'étais sûr que je l'avais là. OK. Insert APT. On va le rentrer de même. Ah, c'est Amex. APT, c'est sur Amex. Bon. Alpha Pro machin. Donc, il a fait des beaux mouvements dans le passé. Là, ben, lui, il a réagi un petit peu après les autres. Regardez, pour l'instant, ça semble pas l'idéal pour un quotidien parce que, regardez, comme je vous ai montré sur 10 jours, là, donc on a vu cet inversement-là ce matin. C'est pour ça qu'on l'avait dans nos day trades. Et puis là, pour le moment, on est à la fin de son cycle. Le volume diminue pendant qu'il s'en va de côté. Donc ici, il n'y aurait pas de point d'entrée avant, dans le coin de... après s'être stabilisé en bas de 12, quand il traversera 12, 12-15, 12-20, dans ce coin-là. S'il stabilise en bas de 12, puis qu'il décolle en haut de 12, comme 12, 12 et quart. Et puis, mais s'il s'en vient par ici, on l'oublie. Parce que, mais encore là, si vous rentrez là-dedans en day trading dans l'après-midi, puis là, ben, il monte jusqu'à 13 ou 14, là, qui serait extraordinaire, parce que, gars, il a quand même fait 9,25, 11,75 ce matin. Bon, là, à ce moment-là, avec un bon profit en dessous, on pourrait rester dedans, parce que de ce temps-ci, les maladies infectieuses, là, ils ont été bien le fun, mais ils ont eu des grosses corrections aussi, là. Regarde, ils ont connu des grosses chutes, là. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Puis, regarde, Inovio de INO, hier, il a quand même chuté pas mal. Aujourd'hui, il a été plus intéressant parce qu'il a fait des mouvements en day trading. Mais, regarde, je ne suis pas capable de dire, je vais rester là-dedans pendant un bout de temps. Regarde, tuf, paf, pif, paf. OK, ça a été 4 piastres, 18 piastres, 6 piastres. Donc là, le vrai moment, puis je ne resterai pas dans INO tant qu'on ne viendrait pas traverser ça. OK? Et puis, voilà, pour l'instant, c'est juste du court terme. Ça fait que, donc, c'est pareil sur la majorité des stocks, là. Même s'ils ont été beaux aujourd'hui, c'était que du day trade. Parce que quand vous regardez le graphique en 15 minutes, là, ils sont pas positifs. Donc, vous voyez, Novavax, il était plate ce matin, excepté quand il a fait un revirement, là, qui a été bon de 9,90 à 10,5. Et puis, dans le cas de CODX, bon, il a fait des beaux cycles ce matin. Lui aussi, là, il est en plafonnement. Puis regarde, c'est pour l'instant, là, ça demeure juste un gros rebond, cette histoire-là.
OK? Ils sont pas trop stables, ces stocks-là, pour rester dedans overnight, à mon avis. OK? Ils sont bien trop risqués parce que, regarde, ils vont loin en day trading, mais ils vont pas loin tant que ça en swing trading. Il y en a eu une grosse passe de même, mais il n'y en a pas eu d'autres après. OK? Ça fait que, puis il faut être quand même bien, bien sélectif dans celui qu'on choisit. Puis il faut vraiment trouver les bons points d'entrée pour ça. Qu'est-ce que j'en trouvais un autre? Tonix, Arena, VIR, Ether, DN. Bon, ils sont pas trop stables en swing trading, OK? Quel prochain support de WFT? West Fraser Timber? Il faisait des mouvements bizarres ce matin, les Timber, mais il est direct là, le support, là. C'est juste là qu'on est. Regarde, on est là, il est à 37, là, à peu près. À 36, c'est 75, le support. Donc, tout ce qui descend en bas de 36 et 60, c'est un signal de vente. Et puis, regarde, il est rendu sur son bas de l'année, à part de ça. Donc, le prochain décrochage pourrait l'emmener quand même assez loin. Par en bas. ALT Nasdaq vient de briser ses supports. C'est pas possible. C'est le marché qui rebondit, là. Je l'avais mis quelque part. Ah, il est là. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Tiens, il est dans ma liste ici. Là, il vient de virer de côté. OK? Donc, il a monté ce matin. La dernière tendance visible était clairement ici. Donc, il a commencé par passer à travers ce que je vous parle souvent, le triangle à l'envers. OK? L'avertissement. Après ça, le signal. Puis là, bien, là, on a eu un autre signal ici. Puis là, bien, regarde. Là, la panique pogne parce que le monde veut garder leur profit. Tous ceux qui sont en train de sortir ici, là, c'est ceux qui sont rentrés là, parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent qu'ils ont mis là. Fait que pour l'instant, c'est terminé, ça. NOVN sur Nasdaq, ça, c'était un stock qui drivait hier. NOVN. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Tiens, je vais retourner un petit peu plus loin, là, parce que pour me faire mentir, parce qu'il bougeait hier, OK? Il a été en hausse hier, mais après, à l'ouverture, il ne fait que descendre. Jusqu'au moment où il est venu inverser sa tendance, puis là, il est revenu bien beau, à 66 cents, il a fait 97 cents, puis regarde, il est venu inverser cette tendance-là encore. Puis là, bien, il se place en formation pour l'inverser encore. On a quand même une certaine tendance haussière. Vous voyez qu'il est ici, là, dans le moment. Donc, lorsqu'il va traverser cette formation-là, que je vois dans un graphique en une minute, là, tu regardes, il est carrément là, j'ai enlevé les autres lignes. Donc là, ce matin, il s'est en allé là. Là, il a commencé par passer à travers la ligne de tendance. Puis là, maintenant, il faut qu'il passe la résistance. Fait que le point d'entrée, c'est 62. Puis le prise de profit, c'est 72 dans ce coin-là. Et tu es à 60 cents? Bon, ben vous êtes là. Vous êtes à ce prix-là. Fait que s'il continue sa petite lancée d'aujourd'hui, là, n'oubliez pas de prendre un profit là, à 10 % minimum. LSPD. LSPD. Lightspeed fait comme le marché qui est complètement de côté. Tout ce qui est en bas de ça est un signal de vente encore une fois. OK? Donc, à 25 et à 25 et 40, c'est un autre signal de vente parce que le stock s'en va à 20,75 à partir de là. WRR, énorme résultat, mais le stock tombé quand même. Moyenne des prix à 8 cents. Tu ferais quoi avec ça? Ben là, en tout cas, vous pouvez sortir. Pardon, vous pouvez sortir sans mal, parce que premièrement, il est 97, il est 97,30, ah, c'est poche, il y a 3 cents. C'est 9,5-10. Donc, vous pouvez avoir 9,5, vous avez payé 8. Il y a des acheteurs à 9,5. Vous pouvez sortir de là, moi, c'est ça que je ferais. Je sortirai de là. Goodbye, Joe, avec un petit profit. Prochain support de Suncor, s'il ne l'a pas traversé. Non, il est là, c'est son bas de matin, son support, qui était là. Là, ils ont fait une petite remontée, Suncor, mais au Canada, ça va être peut-être la même chose. Ouais, sûrement le même graphique, pas au même prix. OK? Donc, son support, il est à 24,75. Là, on fait une petite tentative par en haut. On va aller voir ce que les titres font. Bon, USO ne fait rien. C'est un petit rebond des pétrolières. Pff, non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Moi, je ne toucherai pas ça, les pétrolières, pour l'instant. C'est bien trop dangereux. Bombardier, prochain support. Ah, oh, c'est ça, la piste d'atterrissage, là. BBD, BBD, point B.
Il est toujours à côté, c'est un support quelque part. Écoute, il vaut 82 cents Bombardier, qui est le Bombardier qui n'est plus l'ombre de lui-même. Puis son bas des cinq dernières années, c'est 72 cents. Ça fait que, de toute évidence, il s'en va là. Je suis pas mal convaincu. Mais je ne sais pas pourquoi poser cette question-là. J'espère que vous n'envisagez pas d'acheter du Bombardier. Le prochain support de CNQ, CNQ, ça va être semblable à toutes les autres. C'est drôle, tout le monde me demande ce sont les supports aujourd'hui. puis il me semble qu'il n'y a rien de plus facile que ça. Regarde, son support, c'est le bas des derniers jours à 20$. Là, il a touché son 20$, puis il rebondit un peu, comme toutes les pétrolières sont en train de rebondir un petit peu, mais ce ne sont pas des signaux d'achat, là. Bonjour Michel, les décès des virus importent peu le gouvernement. Ils n'auront pas de pension de vieillesse à payer pour les morts. Hey, je vais aller voir le sondage. Tiens, il faut voir où est-ce qu'on en était rendu là-dedans. Donc, à la première question, depuis combien de temps participez-vous à nos émissions? Nouvellement, à 17 % depuis un bon moment, 27 % depuis très longtemps, 56 % Donc, on voit que les gens ici nous connaissent depuis un bon bout de temps. Hop, et je vais l'afficher, tiens, tant qu'à faire. Bon, comme ça. À la deuxième question, quel type d'investisseur boursier êtes-vous? Plutôt fondamental, 6,4%. Plutôt technique, 46%. Fondamental et technique, 47%. Donc, on voit qu'on a des gens très techniques, mais on a des gens techniques et fondamentales, surtout. OK? Et c'est probablement que les plutôt fondamentales, c'est probablement les nouveaux qui arrivent à notre émission-là. Mais dites-vous une chose, à force de nous écouter, vous allez devenir de plus en plus technique, comme la moyenne des gens qui nous écoutent. Comment vous en sortez-vous après cette débâcle? 38,2% ont répondu « Pour le moment, il m'a coûté cher ». 26,4% disent « Je m'en tire pas si mal ». 29,1% dit « j'étais minimum investi » et 6,4% « j'ai fait plus de profit que de pertes ». Quand même, hein? C'est sûr que ça ne sera pas la majorité, mais c'est beau de voir qu'il y en a qui ont été capables. Puis ça, ce que j'en mettrais ma main au feu, que c'est des gens prudents qui ont bien vu qu'on était sur un top de marché, puis que c'était difficile d'acheter, puis que j'encourageais pas trop ça dans les derniers temps. Ça fait qu'il y a des gens qui ont commencé à prendre des positions à découvert, puis qu'il ne restait pas beaucoup de positions dans leur portefeuille, puis c'est ces gens-là qui ont plus de chances d'être à profit. OK? Nous, en tout cas, on a fait plus d'argent qu'on a perdu pendant toute la débâcle. Croyez-vous que nos gouvernements feront ce qu'il faut devant la menace du coronavirus? Je ne crois pas que nous sommes très menacés, 6,4%. Je crois qu'ils font tout ce qu'il faut, 19%. Je crois qu'ils ne prennent pas assez de mesures préventives, 60%. Et je crois qu'ils ne sont pas assez transparents, 14,5%. Donc, les deux négatifs font 74% en tout, hein? Fait qu'on s'entend-tu? C'est pas que j'ai essayé de vous mettre les paroles dans la bouche, mais c'est bien simple, on les voit pas. On les voit pas, les polichinelles, les politiciens. Non, c'est vrai, les politiciens. On les voit pas, OK? Ils se cachent. Puis là, bien, avec les histoires de budget, là, qui étaient complètement ridicules, là, qui n'ont pas mis d'argent là-dedans, je trouve là, que c'est bien, bien bizarre, puis il est plus que temps qu'il commence à se réajuster. On retourne à nos questions. C'est pas Legault qui peut fermer les frontières, c'est Trudeau. Moi, je ne parle pas de fermer les frontières, je parle de vérifier le monde qui arrive ici. Moi, notre job à nous autres, là, c'est pas de checker le Canada. Notre job à nous autres, c'est de checker le Québec, parce que c'est ici qu'on vit, puis nous autres, moi, je voudrais que mon gouvernement, je parle pas de fermer les frontières, je parle de mettre du monde qui vérifie, je parle de tester les gens en entrant, de vérifier d'où ils viennent, puis les cas suspects et les voyages suspects. Mais maintenant, c'est pas comme avant. Avant ça, ils pouvaient juste rentrer de la Chine, parce qu'il y avait juste en Chine qu'il y en avait au début. Mais là, il y en a dans 30 pays. Ça fait que là, maintenant, ça peut être quelqu'un qui arrive de l'Italie aussi, mais l'Italie, on va les watcher. Mais ça peut être l'Italie, ça peut être la Russie, ça peut être n'importe quel pays, ça peut même être de New York. OK? Fait que c'est plus les mêmes conditions, là. C'est pas mal plus difficile. Donc, on se doit d'être encore beaucoup plus vigilant. EMA.
ça va nous tomber en pleine face du jour au lendemain. Là, on ne va pas passer de 5 à 6 à 7 à 8. Là. Moi, ce que je prédis, c'est qu'on va faire comme les États-Unis. Aussitôt qu'il va y avoir quelques cas qui vont avoir laissé promener dans la population, là, paf, on va tomber à 50, 75, 100. Là, voilà, ça ne sera pas long. Pour ton info, il a fonctionné le sondage. Oui, c'est juste que moi, je le voyais pas sur la tablette. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas apparu, mais là, tout le monde me dit oui, il fonctionnait. Avec le navigateur Edge, on ne voit pas les questions, juste sondage. Ah, bon, OK, bon, mais merci, ils sont à l'écoute, là, les techniciens en arrière, les programmeurs en arrière, puis on va vérifier ça. Edge. Bon, Claude dit qu'il est découragé. Bon, en tout cas, que c'est décourageant. Selon des experts, l'animal responsable serait le pergolin, oui, braconné et vendu au pays qui aime beaucoup ça. Mais oui, c'est ça, oui. Mais le pergolin l'a attrapé des chauves-souris. Les chauves-souris les ont donnés au pergolin, puis les pergolins ben, sont mangés par les Chinois. Puis oui, c'est vrai qu'ils aiment ça, les Chinois, des pergolins. Nous autres, on ne connaît pas c'est quoi. OK. Donc, je vais garder les commentaires sur les questions pour mon équipe en arrière. Suite au sondage, j'ai vendu toutes mes affaires dès la première semaine et je suis très content. Bon, ben bravo Mario, c'était une bonne décision. Trill est une pharmaceutique spécialisée en médicaments d'oncologie. Merci Diane. J'ai acheté INO 763, stop loss 755. $7.63, stop loss, $7.55, trop proche. Bien là, on est déjà passé ça. C'est parce que vous avez fait 28 minutes. il est 12h25, donc vous m'avez posé la question. Il était ici, mais c'est parce que là, il est rendu là. OK? Mais c'est plate pour moi de revenir en arrière. Là. Mais regardez, déjà au départ, là, ça, c'était pas haussier. Là, OK? C'était une résistance quand il a brisé ici. Il y avait un premier signal de vente là à 7.53. Il y avait un autre signal de vente ici à 7.48. Fait que, non, il n'était pas trop proche dans les conditions, Dan. ENB. Enbridge, ça va planter comme le reste, ça. Bon, bien, on est stabilisé à ce niveau-là. C'est une formation triangulaire descendante, là. Regarde, elle est arrangée de même, puis de même. Puis là, il s'en revient encore par en bas. Regardez le petit rebond des pétrolières tantôt, là, ça n'a pas tenu, puis il s'en revient encore par en bas. Point d'entrée. Quand le marché va reprendre, oui, mais c'est ça. Mais il faut attendre de voir, ça va être où, finalement, le creux du marché. OK? C'est vraiment compliqué dans le moment parce que, tu sais, il y a tellement de points entre là et là, tu sais, on ne peut pas trop prédire d'avance quand est-ce que va être le point d'inversement, quand est-ce que va être le point d'entrée sur le marché. Là, je pense qu'il faut attendre que le virus va encore faire des ravages. C'est clair qu'il va encore faire des ravages. Bon, mais c'est qu'en attendant, ils peuvent arriver puis sortir quelque chose qu'on n'attendait pas. Bang! Faire monter le marché de 1000 points, juste comme vous venez de shorter 3-4 stocks. Là, t'sais. C'est pour ça que je dis, entre les deux, dans la formation neutre, on ne le fera pas. On va le faire quand ça va replanter par en bas. On va aller faire de l'argent par en bas. Puis suivez-nous, on va vous indiquer ça. EVBG a l'air positif. EVBG. Ah oui, Everbridge. Technologie d'information, logiciel d'application. Il n'y en a pas gros des stocks qui montent de même. OK, il a fait un beau mouvement ici à 113. Là, il est en correction par contre. Hein? Il n'a pas monté non plus sur un gros volume. On va regarder ça avec un 15 ou 30 minutes. Je pense pas que j'ai un 30 minutes là-dessus. Oui, j'en ai un. Bon, vous voyez, là, regarde, c'est là vraiment sa résistance. OK? Donc là, moi, je pense que, étant donné qu'il a commencé une correction, je vous dirais, pour qu'on y croit, là, regarde, voyez-vous, il est en correction. Bien, pour qu'on y croit, là, on voudrait vraiment qu'il fasse un nouveau haut. Donc, je mettrais ça à 116,50, le point d'entrée. CUF.UN. Oh, ça, c'est... dans les immobilières, là, CUF.UN, il va avoir mangé à claque pareil comme les autres. Et puis, regarde, il est en signe. Non, ça, c'est Boyd. Bon, bien, j'ai mal tapé mon symbole, mais en tout cas, Boyd, je peux vous dire, c'est un signal de vente dans le moment. Là. Regarde, nouveau bas.
sur bpy.un. Puis là, ben je vois cuf.un. Bon, il est là aussi, puis lui aussi est en train de donner un signal. C'est ça qu'on redoute, là, que le marché ne tienne pas le coup puis qu'il passe à travers, OK? Donc, dans certains secteurs, ça va se passer avant. Là, pour l'instant, c'est les immobilières qui sont... Fait qu'il est tout proche, tout proche, tout proche. Il a passé à travers les deux dernières journées, mais il s'est stabilisé là. Mais s'il retourne là encore, 13 piastres, 13 et 20, 13 et 15, c'est un signal de vente. Point d'entrée dans le marché va repartir à la hausse. Bien, ça dépend, Pierre, parce que s'il se rend ici avant, bien, ça va peut-être être là, ça va peut-être être là, tu sais, je ne sais pas, mais là, pour l'instant, ça s'en va par en bas, là. OK? Regarde, c'est vraiment, vraiment, la pression est à la baisse. C'est des vendeurs qui poussent le stock par en bas, là. TTOO, penses-tu que pour une intra-séance, TTOO... Non. Il fait du gros volume, mais il a reviré de bord. Je l'avais regardé ce matin. Pour l'instant, là, regarde, seulement que s'il passe les 53, 54, puis votre potentiel est jusqu'à 57, 58. Fait que c'est pas beaucoup. Vous avez 4 cents sur 53 cents, c'est quand même 6, 7 %, là, mais il faut pas hésiter à prendre un profit là. Mais moi, je dis, je vois la hausse, c'est une affaire de même. C'est comme risqué. OVV. OVV. Toronto, hein? Oui, c'est ça. Bon. On va regarder ça avec un 15 minutes. C'est trop difficile à voir sur un graphique quotidien. Il y a eu une couple de glitch dans ces cotes ici, là. Bon, il n'y aurait pas de point d'achat là-dessus avant que le titre vraiment décolle en haut de 15$. Mais... C'est, il a surtout descendu sur des gros volumes. Mais là, il y a quand même un beau volume aujourd'hui. Là, peut-être que ça pourrait revirer de bord, mais c'est vraiment très tôt, hein? C'est vraiment très tôt. Si on le regarde comme ça, hey boy! Ouf! C'est de l'exploration de production de pétrole et gaz, cette affaire-là. Ça n'a pas l'air du secteur super. Moi, je n'embarquerai pas là-dedans. BKYI. BKYI. Bioki International, il a fait un beau mouvement aujourd'hui. J'ai scanné plusieurs fois ce matin, mais je ne l'avais pas... Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu celui-là. C'est lui qui avait arrêté autant de fois. Hey, c'est incroyable, hein, combien de fois qu'il était en arrêt de transaction. C'est le fameux stock qui est parti de 50 cents à 2 piastres, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est arrêté 10 fois depuis l'avant-midi. Donc, sa dernière belle passe, là, c'est à 11h30. Ça a fait 1,62 $. Là, il y a une grosse volatilité dedans. Pas convaincu qu'après une hausse comme ça, il va aller encore plus haut. Mais en tout cas, ce serait 2,34 $ qui redécollerait. Empire puis Loblaw, bon, dans la consommation de base, il n'y aura rien de beau dans ça. Là. Métro fait un nouveau bas en passant pour la journée. Regarde, ça continue à chuter. Donc... Et puis, regarde les supports, on les a partout, là. Empire, c'est EMP. Puis Loblaw, regarde, Loblaw, il est à côté sur un gros, gros, gros support. Il y a beaucoup de volatilité, mais tu sais, il n'y a pas de point d'entrée, c'est pas payant. Empire est encore pire, il est complètement à côté en bas. Parce que si le marché décroche, ça aussi, ça va tout décrocher, là. OK? Puis c'est des zones de support très, très, très importantes. Moi, je dis qu'il ne faut pas forcer la note à vouloir acheter des choses, là, dans le moment. ATE. ATE. Bon, en type, il ne fait rien. OK? Il ne se passe rien là-dedans. On ne touche pas à ça. On attend. Vous l'avez à 66 cents, il est à 60 cents. Ben moi, je t'avoue, je mettrais un stop-loss en bas. Mais il a toffé toute la ride, hein? C'est un thérapeutique, là. C'est des produits pharmaceutiques. Il n'a pas l'air trop affecté par le marché. Il n'a à peu près pas bougé. Moi, j'essaierais d'être prudent. Je ne mettrais pas mon stop trop proche parce que, regardez, il y en a une couple qui se sont fait pogner les culottes à terre. OK? Donc, ça, c'est des stops marqués. Ça, c'est probablement des stop-loss placés trop proches. Ils les ont vus, pouf, puis ils ont été les chercher. Ça fait que, donc, je mettrais un stop pas avant 50, juste pour éviter une catastrophe. OK? Je le mettrais à 54. Pour être sûr qu'au moins, s'il y va, ben, on va être content qu'il y a touché parce qu'il va sûrement continuer. Mais, tu sais, j'hésiterais bien gros à le mettre sur le bord, trop sur le bord.
Bonjour Michel, est-ce que vous pouvez publier sur Gourou la liste des croisières et autres concernant les voyages dont vous avez parlé? Ben oui, certainement, Sylvie, on va vous faire ça cet après-midi. On a la liste, Maxime va vous publier ça dans Analyse et conseils, là, dans le bas du site de Gourou. On prend note ici. Là. Les voyages. OK. CM, Banque de commerce. OK. D'après toi, le support est atteint? Oui, le support est atteint, mais le support pourrait bien être brisé, OK? Ça fait que, puis regarde, en plus, c'est quasiment rendu sur le bas de l'année. Est-ce qu'on peut penser que les titres peuvent aller plus loin que ça? Si on a un autre débat, ils vont y aller. Fait qu'en tout cas, c'est pas le temps d'acheter ça, je vous le dis. Près d'un décollage, bon, on l'a fait tantôt, là. Plutôt d'un décrochage, OK? Il a l'air d'avoir fini, là, à 1,70$, c'est un signal de vente. On me rapporte que c'est CODX qui est plus beau. Ah ouais, regarde, c'est CODX, là, OK? C'est lui, là, qui est en train de vouloir redécoller. C'est le seul qui est vraiment positif. Il y a peut-être AHPI aussi, qui a un potentiel un petit peu plus tard. Il se prépare à traverser sa résistance. Je démissionne pas non plus parce que mRNA, de temps en temps, il fait des bonnes passes. Il se place comme si. Okay? J'ai l'impression que si le marché accélérait encore après-midi, qu'on pourrait avoir une autre belle petite phase dans les compagnies infectieuses. Là. Donc, c'est ODX, là, on voit là, qu'il y a une envie vraiment d'y aller. Il y a eu LLIT le dernier qui avait bougé. Bon, combien qu'il me reste de questions? Oh là 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 là, il y en a encore beaucoup, hein? Oh! Bon, je vais essayer de faire juste ce qu'on n'a pas fait jusqu'à date. Elliott demande BKYI, on vient d'en parler, on n'en reparlera plus. PATH à Toronto, je vais répondre juste celle qu'on n'a pas parlé du tout. PATH, pas de sens circonflexe, PATH. Counterpath, logiciel d'application. Regardez ce qu'il fait dans un graphique en minute. Hein. Il est vraiment super laid, ce stock-là. Je l'aime pas en tout, pour une bonne raison. C'est, regardez, même en 15 minutes, il fait juste des petites moustaches. C'est un titre qui a 3000 actions transigées aujourd'hui. Là. C'est pas l'idéal. Vous en avez 500 à 4,30. Il vaut 4,20. Il est à peu près ce prix-là. Vous l'avez acheté dans le décollage qui est ici. Il n'est pas là. Mais faut pas mettre des affaires trop proches parce que, regarde, il fait juste des petits points, mais ça vous prendrait sûrement un stop à 3,80$. Mike dit, si on a perdu plus que 10% avec un titre à date, vaut mieux le garder. Bien, je ne sais pas, là, c'est une bizarre de stratégie là, que vous me parlez là. Puis les règles, ça ne marche pas de même. Si c'était aussi simple que ça, personne n'aurait besoin de se casser la tête. Mike, je pense que vous avez besoin de plus de connaissances techniques là, avec la manière qu'ils vont vous poser votre question. NNVC, le point d'entrée. Bon, il a changé de bord, NNVC, là. Regarde. Il a fait une belle passe ce matin. Là, il y a une formation. Puis regarde, quand il fait des volumes, il fait des belles cotes. Quand le volume lâche, il ne trade presque plus. OK? Donc, ça prend volume et cote. Il y a quelque chose de bizarre dessus, là, parce que j'ai un écart épouvantable dans son bid and ask. Là, je ne comprends pas trop. Il est peut-être halté, mais ça m'étonnerait. Regarde, les vendeurs sont à 7,89, puis les acheteurs sont à 7,30. OK? Ça fait que tant qu'il ne se remettra pas à trader, là, puis que ses bidonnasses ne se colleront pas ensemble, tenez-vous loin de lui, OK? Vous parlez d'un simulateur dans MarketVision. Où se trouve-t-il dans le logiciel si on veut en faire l'essai? Bien, c'est pas dans MarketVision, c'est dans Traders. C'est dans Traders qui est le simulateur. Hé, regarde, là, c'est en train de décoller ici. Là, il y a HPI, exemple. Bon, c'est pas à point, là, OK? Mais juste vous montrer à propos du simulateur. Là, regarde, si, mettons, je voulais faire achat stop, je m'en vais là. OK, si tu repasses en haut de ton top, ici, tu t'achètes, il me demande combien. Je dis 1000 actions. Clic, go.
Ben, regarde, l'achat stop est placé là. Quand il va passer, il va l'acheter. Puis le puis tout est écrit aussi, en écrit dans le simulateur. Tiens, l'ordre d'achat est là. Il va s'acheter quand il va passer. Ça, c'est les transactions que j'ai faites hier et hier matin, que je me suis abusé avec TVIX. Oui, j'ai fait 7 093 $ avec ça. Et puis, donc, c'est dans Traders Plus qui est le... Bon, tu voyais, il vient de l'acheter, là, parce que j'avais mis ça. Mais c'était pas le temps idéal, là, c'était quand il a commencé, là. C'était juste pour vous montrer comment ça marche, OK? Fait que je vais affirmer la position pour que ça vienne tout défaire mon portefeuille. Au cours des dernières semaines, j'avais commencé à mettre des ordres de vente stop sur mes titres à profit et ils ont été exécutés automatiquement avec la baisse. Merci pour les bons conseils de mettre des ordres stop et de vente après avoir fait un achat. Oui, parce qu'au moins, là, vous risquez pas de changer d'idée. T'sais, il passe puis c'est fait. OK, goodbye. CP. Qui décolle à part de ça, là? Y a-tu d'autres? Il y avait APT qui est encore en train de remonter. Hey, en passant, la personne qui l'avait à 12 $, là, vous êtes revenu à votre prix. ACP, c'est un achat? Non, pas encore. Ça sera un bon stock à acheter tantôt, là, mais pas tout de suite, OK? Regarde, CP, il a mangé une claque pareil comme les autres, beaucoup moins que les autres en pourcentage, parce que c'est pas une minière, ça, là. Mais il est quand même venu toucher son support précédent. Non, mais si le marché continue encore à la baisse, il va continuer à la baisse, pareil comme les autres aussi. Soyez plus patient encore. Est-ce qu'un support qui date de 2016 est valable en ce moment? C'est toujours valable, un support. C'est juste quand ils sont loin, ils ont moins d'importance. Mais ce qui compte, c'est que s'il y en a plusieurs, là, c'est une privilégie que vous avez là à part de ça, ppl.pr.a, ppl.pr.a. Historiquement, ça ne transige pas beaucoup. Ces compagnies-là, en volume, là. Regarde, aujourd'hui, il y a 5 700. Puis là, vous demandez, est-ce qu'un support de 2016, c'est valable? Donc, vous parlez de ce support-là ici. Il est valable. Il y avait ce support-là aussi qui était là, qui a traversé à travers, puis il a même traversé lui, là. Donc, c'est en pleine chute, là. En principe, dans la tendance qu'il y avait là, il y avait déjà un signal de vente, là. Qui 16 à 12, c'était déjà aussi beaucoup d'argent là, pour se rendre au sport. Quand il y a trop de gens qui jouent à la bourse, il arrive un moment où il y a une épuration qui se fait comme en 1987. Plus ou moins. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est sûr que quand ça arrive sur des tops que ça a le plus de chances de se corriger. La grande majorité des places qu'on a eu des décrochages, c'était toujours des tops. C'était des tops en 87, c'était des tops en 2001, c'était des tops en 2008 aussi, puis c'était un top aussi encore cette année. C'était sur les sommets habituellement que ça arrive. Ça, c'est que juste le virus est arrivé en plein hasard, en même temps. BNS, son support est atteint. Oui, j'ai tout expliqué ça tantôt. Outarde, canards s'en viennent avec la migration. Oui, mais acceptez que elle vient pas des canards, OK? Fait que pas sûr qu'eux autres vont transporter ça. Là, c'est pas la grippe aviaire. Que pensez-vous d'une petite position dans USO? Ben non, USO, il continue par en bas, puis il n'a pas fini la petite guéguerre, là, encore avec Poutine, là. Regarde, USO, il est écrasé en bas, puis il menace de décrocher encore en bas de son support. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Est-ce que c'est moi ou bien les titres à fort dividende comme BCE, CM, SU en général ne montent pas beaucoup, même à long terme? Est-ce qu'on ne devrait plutôt choisir des titres qui conservent leur liquidité pour soutenir leur croissance au lieu de les verser aux actionnaires? Bon, là, ben, vous êtes débarqué de mes compétences, là, rendu là. C'est pas ma job à moi. Je suis pas fiscaliste. Je suis pas le meilleur pour vous conseiller dans ça. Moi, je suis un expert d'analyse technique qui a 34 ans d'expérience là-dedans. Et puis, c'est pas moi qui peux vous aider dans ça. Tu as tout à fait raison pour ce qui est du COVID-19. AAL, acheté au USA. AAL. Bon, on est... Nouveau bas sur le Dow Jones, 1165 points. OK, donc là, c'est sûr que, regarde, si on check ça,
Bien, vous voyez ici, là, TVIX qui va décoller en accélération là, sur le marché. Puis ça, c'est le fun. S'il y a une affaire qui est le fun à trader avec le simulateur, c'est TVIX. Et les deux autres aussi là, qui font du volume, VIXY aussi est très intéressant. Mais même si vous achetez juste 50 actions ou 15 actions, c'est le fun parce que ça bouge beaucoup. OK? Ça fait que bien le fun à pratiquer avec le simulateur. C'est le fédéral qui a autorité sur les aéroports. C'est eux qui peuvent surveiller les arrivées. Oui, mais l'aéroport est quand même dans le Québec, OK? Puis je pense qu'on a notre mot à dire en quelque part là-dessus. Puis si on a un premier ministre, bien, c'est parce qu'il est capable de prendre le téléphone puis de l'appeler, Justin. Oui, Max? L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer sur une pandémie. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le coronavirus comme une pandémie. C'est pour ça que le marché a chuté comme ça. POW, achat d'une reprise, bien, on ne sait pas c'est quand la reprise, OK? Dole, analyser le titre, je ne tiens pas le titre. Non, bien, on n'achetait pas du Dole non plus, OK? C'est pas le temps d'acheter de ça. C'est ça que je dis toute la journée, là. Mais, regarde, il a fait un petit rebond, il a reviré de bord, il est encore dans une tendance baissière. Achetez pas Dole. Regarde, la moitié de son stock, là, 3/4 de le stock, c'est des produits chinois. CODX en hausse, 13,60. Je sais qu'on l'avait fait, mais je vais le revenir pareil. 13, regarde s'il est beau. Hein? Vous voyez, tantôt, je vous ai montré le signal, le CODX. Bien, gars, il a fait depuis le temps, je ne me souviens plus quelle heure qu'il était. Là. En tout cas, il a fait 12,5, 14,5. Il a fait 2 piastres depuis le temps. MG analyse. MG. MG, Magna International, OK, on touche pas à ça, OK, ça va se péter la gueule encore, ça. Tous les stocks qui sont ces supports-là, là, on les achète pas. Au contraire, si le marché empire, s'il décroche par en bas, on peut en shorter un ou deux. Un gros merci, Michel, c'est le meilleur cours de bourse ever. Bienvenue. OMS déclare, oui, c'est ça, on vient de le dire. JD achat bientôt. JD. J'essaie de finir mes questions. JD. Ah, ben tiens, je vais quand même enlever la barre de questions. Ça va me donner une chance de les faire. J'ai-tu une cloche? On déclare une pandémie mondiale. Oui, c'est ça. JD achat bientôt, USA. Je serais bien surpris qu'il décolle, là, mais peut-être. Mais je ne penserais pas. APT en feu, il l'était. Il l'est-tu encore? Oui, bien oui, regarde, c'est lui aussi, il a décollé, il a fait 12,25, 13,25, regarde, il a fait une pièce. Là. Voyez-vous, là, la résistance qui était ici, le stock a décollé, paf, 12,25, 13,25, une pièce de fait. Si on ne prend pas nos profits ici, là, on est un foutu gourmand. OK, c'est tout simplement ça. Puis là, ben après ça, c'est bien plus facile à gérer. Tu achètes 12,25, tu vends 13,25, ça te coûte 11,25. Puis là, bien, il est entre les deux, puis il y a un support, puis s'il revient prépayé 12,25, on sort. OK? C'est toujours la même petite tactique niaiseuse. Même que le profit, faut pas hésiter, il faut aller le chercher le plus vite possible. Tu sais, j'ai NNVC qui a redécollé 7,90 aussi. J'ai peut-être d'autres aussi qui vont bouger. On a eu CODX, puis il y a HPI qui semble pas tout à fait fini non plus. Merci pour tes bons conseils, dit Toine. Bon, OK, j'ai réussi à répondre à toutes les questions. On a fait une heure et plus qu'une heure et 45 de show. On jette un petit coup d'œil sur notre marché qui venait de faire un nouveau bas. Il y a sûrement, je ne sais pas si c'est pour ça que Donald Trump faisait un meeting d'urgence, là, mais regardez que c'est pas solide cette affaire-là, OK? On vient de passer au travers, on a une petite formation bien serrée, là. On est à 1182, disons presque 1200 points. On pourrait facilement aller jusqu'à 1003, 1004, 1005, là, si les choses s'envenimentent encore, parce qu'on pourrait se rendre au creux précédent. Le creux, parce qu'on y a déjà été, là, OK? Donc, l'espace, c'est jusque-là, là, jusqu'ici, là, OK? Le DAR, on est presque rendu, il n'en reste pas beaucoup. Le DAR, c'est 23 831, puis le bas, il est à
23 701. Il va descendre encore 130. Fait que 1200 plus 130, 1330. Fait que j'étais pas loin dans mon 1400. Puis ça, bien, c'est si on passe pas à travers. Fait que soyez prudents à la hausse. Regardez plutôt des affaires à la baisse, OK, si le marché en paie. Puis exagérez pas non plus, là. Mais tant qu'à rien faire, vaut mieux faire un peu d'argent avec des shorts pendant que ça descend que de s'embarquer dans des stocks qui vont tout planter puis qu'on va perdre de l'argent avec. Passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit bientôt.